Ah, rien par ici. Essaie pas de gagner du temps. Shiva et Parashurama. Parashurama et Ganesh. Et maintenant. Chloé, donne pas à ce débile ce qu'il veut. Tais-toi! Ma patience à rude épreuve. Il cède. Elle va tomber! Tais-toi! Ganesh, t'as mis un sacré obstacle sur ma route. T'es sûr de toi? Non. Il fait quoi? Tais-toi et regarde. Ganesh, t'as mis un sacré obstacle sur ma route. Tais-toi et regarde. Il a cédé. Hein? Ça va? Ouais. Je l'ai pas vu venir. Nom de Dieu. Elle en a dans le froc. Hein. Mais... je comprends pas. Tu m'étonnes. C'est parce que vous avez tout compris de travers, mon cher. Ganesh a volontairement laissé la hache le toucher. Ça n'a aucun sens. Pas pour un connard dans votre genre, non? En fait, Ganesh aurait pu battre Parashurama les doigts dans le nez. Mais s'il l'avait fait, alors la hache de Shiva aurait eu l'air faible et inutile. Ganesh s'est sacrifié pour préserver l'honneur de son père. Même elle, elle a compris. Et pourtant, elle n'a pas une goutte de sang à dire. Oh.
N'est-elle pas magnifique? Quoi, vous n'avez plus rien à dire? Je peux vous suggérer un endroit où vous la mettre. Mes bons amis, j'aimerais pouvoir vous tuer moi-même, mais ce serait un affront aux dieux après l'aide que vous m'avez apportée dans cette quête. D'accord, alors vous allez faire quoi? Tu vas inonder la pièce. Tu vas me manquer. Non mais sérieux, faut vraiment en arriver là? Dites-vous que vous n'allez pas vraiment mourir. Vous serez juste purifié pour renaître. Mets-nous une balle qu'on en finisse. Oui. Quand l'eau remplira vos poumons, vous aurez le temps de réfléchir aux choix qui vous ont amenés ici. Et dans vos prochaines vies, vous choisirez mieux. Bon, ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des tas de regrets qui me viennent là tout de suite. M'en parle pas. J'aurais tellement voulu te casser la gueule encore une fois. Tu sais, mourir noyé juste à côté de toi, c'est pas vraiment ce dont je rêvais. Vous voulez pas la fermer, merde? J'essaie de me concentrer. Tu fais quoi? Patience et longueur de temps. Ha ha, ouais! Super bien. Faut que j'arrête de fumer. À terre! Tu crois qu'il nous a vus? J'espère pas. Où est-ce qu'Assa va trouver un hélico? Ça doit être l'acheteur. Comment ça? J'ai entendu Assaf parler d'une ancienne gare de triage, une histoire de vente d'armes. Il va vendre la défense. Drôle de façon de préserver sa culture. Hé, attends une seconde. Écoute, tout à l'heure, merci pour... Je suis professionnel, c'est tout. Bien sûr. Sans rancune? Non. Je m'en doutais. Si on fait vite, on peut les intercepter avant qu'ils fassent l'échange. Ah, la voiture est là. Elles sont sympas. Là. Je vois les rails. On s'arrête là. Ah, ça va dû poster des guetteurs. Je vous conseille d'être prudent. Ouais. Pour qu'ils se tirent avec la défense. Tu sais, t'es pas obligé de... Je dis juste... Ça va. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Pendant tout ce temps passé avec Assaf, t'as eu aucune info sur les acheteurs? J'ai bien essayé. Assaf est du genre secret. Il a jamais parlé boutique devant moi. Je me demande pourquoi. Il avait assez confiance en moi pour croire que j'étais un expert en Yosala de mes deux. Yosala. Et voilà. J'ai trouvé la voie ferrée. Attends, je l'ai vu.
Ça fait un choc de voir toutes ces structures modernes après les ruines de Sala. C'est soit britannique, soit portugais. 19e siècle. Alors, la ville. Seule mes amis m'appellent par mon prénom. Ok, d'accord. Il paraît que tu travaillais pour un sable. Comment t'as fait pour supporter la torture? Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a torturé? Et voilà. Par là! Yartu! J'aurais dû prendre ma machette. Tu m'aides? Pas de problème. Après toi. Non, vas-y. Excusez-moi. Waouh. Sam. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Faire l'affaire. Putain de merde, qu'est-ce que c'est lourd! Oh merde, tu rigolais pas! Je rigole jamais, sur rien. Vous savez, de vous voir qu'il était sacré. T'es encore entier? Ouais. Quelle équipe! Allez, on est trop exposé là-haut. Je me sens bien plus en sécurité quand elle est là. Nadine, monte voir s'il y a quelque chose d'utile. Attends, je vais le faire. Non, c'est bon. Allez, viens, je t'aide à monter. Bon, bah, je voulais juste être galant. Tais-toi et regarde. C'est bon! Tu vois quelque chose sur quoi on pourrait grimper? Comme une caisse, par exemple? Ça doit le faire. Bien. C'est bon. Allez, monte. Vas-y, Sam. Les anciens d'abord. C'est trop gentil. Non. Elle a juste peur que je lâche et que je te laisse sur place. Bon, j'allais faire un petit repérage. Je te laisserai pas partir tout seul. Ouais, ben, laisse-lui une chance. Sam, tu vois un moyen d'avancer? Si on veut. Par contre, j'ai vraiment besoin de ton grappin. D'accord. J'arrive.
Merde. Ça va. Tu vas bien? Ouais. Super. Je vais emprunter le grappin de Nadine. J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que... Bouge pas. Oui. J'ai dit bouge pas. Ah, je crois pas. Chloé, je peux t'emprunter ta corde? Carrément. Mais je passe la première. Aïe. Fais gaffe. Désolé. Ouais. Laisse ta corde maintenant. S'il te plaît. Ça marche. Il y a une grotte là-haut. Peut-être qu'elle rejoint les rails. Il paraît qu'elle va y aller en premier. Pourquoi t'y vas pas? Laisse-moi la faire. Ça marche. La prochaine fois, amène ta corde, merde. Attention. Ok. C'est quoi ça? Ouais. Bon, ils sont pas très nombreux. On devrait pouvoir... Ce type, la Save, il fait pas les choses à moitié. Il va y avoir du spectacle. Oh, bordel de merde. Shoreline. Qu'est-ce qu'il fout ici? On s'est débarrassé de ces gars. Sam. C'est vrai? Hey. Ça va? Ouais, ça va. J'ai besoin que tu restes concentré. Ça va. Bon, les filles, voilà ce qu'on va faire. Je m'occupe du type à droite. Pendant ce temps-là... Merde. Voilà, dis ça, là. Oh, c'est la merde. T'as aimé mon improvisation? Ouais. Les Aïdors pour toi. Bien tenté. Dégage, enfoiré. Oh.
et... Tu t'en sortiras pas! Ils sont là! Plante-toi! Non! Je crois que c'était le dernier. Nadine, je peux te parler? Quoi? Tu t'en as un? Mais... Allez, je laisserai personne de Shoreline s'emparer de la défense. Le lance-roquette a défoncé la sortie. Pas sûr. Allons voir. Tu vas bien? Ouais. Je crois qu'on peut passer par là. Un coup de main! J'arrive. Présent. Passe devant. Merci. Bien. On est presque à la gare de triage. Ça devrait plus être long. J'étais vraiment indispensable. Ok. Bon, alors. La gare de triage est plus très loin. Par les couilles du pape, elle est vivante. Nadine, elle est là-bas. Ça va, toi, en bas? Ouais, tout allait bien jusqu'à ce que Sam mentionne les couilles du pape. Vous êtes où? Près de la tour de transmission. Nadine, tu vois comment monter? Fraser, on trouvera quelque chose où accrocher ton grappin. Ah, ça, ça me va. J'ai quelque chose pour toi. Fixe ça contre ce support. Je m'en occupe. Voilà. Ok, vas-y, monte. Ça, c'est pas bon signe. Ça penche. C'est pas vrai. Je m'en occupe! Oh, merde! Ça avait pourtant l'air plutôt solide. Merci, vous deux. Bien joué. Ouais, pas mal. Sachant que c'était son idée. T'as jamais entendu Asaf parler de Shoreline? Je te le jure. Tout ce que j'ai appris, c'est que l'armée indienne a coupé sa chaîne d'approvisionnement et qu'il cherche une aide extérieure. Asaf doit être désespéré. Ouais, Shoreline est prêt à accepter l'argent de n'importe qui. Enfin, tu vois. Laisse tomber. C'est vrai. C'est coincé. Tu peux m'aider? Ouais. On pourrait grimper en haut du mur. Je vais t'aider.
C'est coincé. Il faut changer l'aiguillage. Et voilà. Ah, oh, la voie est alignée maintenant. Ça pourrait marcher, votre truc. Tu sais que tu pourrais nous aider, si tu le voulais. Non, oh, vous gérez ça bien. Ah, oh, la voie est alignée maintenant. On retourne au chariot. On y est presque. Pas prévu. Tout le monde va bien? Ouais. Mais tant pis pour notre passage par en haut. On peut peut-être quand même passer à travers. Oh, génial. On peut pas reculer. C'est trop haut. Sam, tu dois être assez grand pour l'atteindre. Viens, prends appui. Je vais t'aider. Plus on est de fous. Eh, bonne idée. C'est pas gênant du tout. Non, c'est quand tu veux. Oh merde! Écoute, pardon. Y a pas une échelle en rap dans le coin par hasard, Sam? Je vais aller voir. On a vécu deux jours de folie, pas vrai? Bah, je m'attendais pas vraiment à voir Sam Drake refaire irruption dans ma vie. Tu sais, je savais pas trop si je pouvais te faire confiance non plus. J'ai dû te mettre un peu à l'essai. Comme quand tu m'as fait poireauter 2 heures dans une zone de guerre. Là, oui, t'as bien testé ma patience. Cette fois-là, j'étais vraiment en retard. C'est à cause de cette petite fille du marché qui m'a vendu une écharpe. Une vraie tête de mule. La belle histoire. Retournez toutes les deux à la voie ferrée. J'ai trouvé un truc qui devrait marcher. Ouais, on arrive. Ok, Sam, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une caisse, moi. Mais oui, bien sûr! Je la fais tomber en bas. Attends, elle sera pas assez haute. Oh, c'est vrai, bien vu. On rapproche le chariot. On se trouve à mi-chemin. Et voilà, fallait se creuser le bulbe. Quoi? Le bulbe, c'est de l'argot pour le cerveau. C'est pas ce que j'imaginais. C'était un compliment. Et voilà, un petit coup de levier. Ok, prête. C'est bon. Attention de tout. Parfait. On y va. Ok, monte. À votre tour, Miss Ross. Oh, m'appelle pas comme ça. Oh, c'était juste de la courtoisie. Oh, appelle-moi bien. Oh, je crois que j'avais raté ça. Regardez, on y est presque. Sam, tu peux te servir de ma corde. Vas-y, il utilisera la mienne. Ah.
Rien. Personne, venez. Tiens, voilà une corde. Merci. Ah, là, c'est vraiment de mieux en mieux. Entre les hommes d'Assav et Shoreline, ils sont bien 2 douzaines là-dedans. Attends, c'est quoi cette caisse? Des munitions, des armes. Oh, possible. Je croyais que Shoreline ne faisait pas de trafic d'armes. Non. Avant, non. Je m'en fous pas mal de la caisse. Où est la défense? Je vois Assav avec... Orca. Qui? Mon ancien lieutenant. Oh, je me souviens du gars. Le mulet avec un type accroché en dessous. Hein? Ah, elle a pigé. Bon, l'accord est conclu. Ton pote Orca à la défense. Bon, allons le soulager. Hé, hey, wow, 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 wow. Vous avez un plan, au moins? Je vous ai dit qu'il y avait 2 douzaines d'hommes là-bas. Hé, hey, relax. Tu vivras plus longtemps. Je suis si fière. C'était quoi, ça? Enlevez vos crans de sécurité. Aucune info de nos guetteurs. On nettoie le secteur. Faites gaffe à mes crans. Bien sûr. Oh, super. L'hélico a décollé. Notre défense, ils sont... Non. Ils vont rester dans le coin pour nettoyer le secteur. Tu parles de nous, là? Faut qu'on dégomme ce salopard.
Enfin du matériel digne de ce nom. C'est trop tard. Ça veut dire quoi? Ça, quelle gloire y a tiré. Continue de dire des choses pareilles, et tu te feras tuer. Je dis tout ce que tout le monde pense. Ferme-la.
bordel! Yeah.
Vous avez l'air en forme. Qu'est-ce que t'as fait à ma société? J'en ai fait un business rentable, pas comme vous. C'était une question rhétorique. J'aurais dû t'abattre sur cette île maudite. J'aurais préféré. Ça m'aurait évité d'avoir à vous regarder fuir comme une lâche. Bon, ça va. Vous réglerez vos comptes plus tard. Ok. La défense, merci. Vous deux, ensemble. Soit vous avez vraiment une mémoire de chiottes, soit vous avez complètement touché le fond. Décidément, c'est ma fête aujourd'hui. Moi, j'en suis pas réduite à trafiquer des armes avec une bande d'insurgés. Ah, nous y voilà. Nous y voilà. Oh, vous et votre esprit étroit. Vous pensez vraiment que j'aurais échangé ça contre des munitions? J'en ai rien à foutre. Donne-moi la défense. Bon, ben... vous allez rater le feu d'artifice. Je te le répéterai pas. Ok. Attrape. Non ! Beau boulot. Merci. Peut-être un peu bâclé, mais... Quand tu veux, tu bouges. Ok, compris. Je pourrais la regarder une seconde. D'accord, mais un tiers est à moi, tu sais. Tu partages avec Chloé. Ok. Je sais que c'est nouveau pour toi, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dis-toi que c'est le prix de mes services. Laisse-moi te dire une chose. C'est une bombe. Quoi ? Bon sang. Assav a échangé la défense contre une bombe. Le feu d'artifice. C'est pas bon. Je sais. Ces rails vont droit vers la ville. Vers le marché. Rejoignons le prochain village. Alertons les autorités. Ce sera trop tard. Si elle explose, des milliers de gens mourront. Et c'est vraiment un grand drame. Mais on a ce qu'on est venu chercher. Enfin... Quoi ? T'as quand même pas l'intention de poursuivre ce train. Ok, fonce ! Fonce, t'as un plan ? Apparemment, c'est pas utile dans votre petite organisation. Tu vas vraiment la laisser faire ? Non, je... Enfin, elle a pas tort pour tout. Attends, je sais pas, ok ? C'est pas notre combat. Tu l'as dit toi-même. Mettons que tu rattrapes le train, et après, on peut pas désamorcer la bombe. T'as raison. Bon. Bon, alors, on contacte les autorités. C'est pas notre combat. C'est le mien. Si cette bombe explose, ça déclenchera une guerre civile. Je peux pas l'accepter. J'en ai marre de fermer les yeux. Tu mourras. Ça me gêne pas. Hé. Hey. Mets ma part de côté. Ok? On sait jamais, hein? Tu vas pas me laisser tout seul avec elle? Descends. Non! Je monte devant. Oh. D'accord. Je m'assois derrière. Quoi? Ya! Fuis le pont! Quelqu'un a vu une route quelque part? Je me fais mes propres routes! Bien, alors garde les yeux sur la route! Hé, hey Sam! Tu voulais conduire? Ouais, enfin si on veut! Dommage! Accroche ta ceinture! Thank you.
voiture. Là, je vois le train. On gagne du terrain. Ralentis pas. Merde, des motos. On est pas vite, fonce dedans. Je peux pas gagner. Hé, hey, c'est pas ta caisse, maître. Dégage-moi ça. Poussez-vous. Il est tombé. Bonne chance, Sam. Il va s'en sortir. Tu t'inquiètes pour lui? Bah, il a la défense. Hé, hey, t'as vu où ils ont mis cette caisse géante? Près de la motrice. Bien, c'est notre prochain objectif. Essayons de l'autre côté. Wow, on se détend. Ok, bien, on progresse. L'effet de surprise. Thank you.
continue! Il faut qu'on atteigne la motrice! Tu peux pas tout soulever. Ok, t'as une idée
De lui foutre ses plans en l'air sera d'autant plus grand. Je crois qu'on y est presque. C'est coincé. Je vais t'aider. Vraiment long. Pense, je m'en occupe. Ok, à toi. Oh, elle est bien plus grosse en vrai. C'est du matériel militaire. Par ici. Aide-moi. Oh la vache, c'est trop lourd. Tu peux la désamorcer? Elle exploserait si j'essayais. Plan B alors. On va à la motrice. Tu viens? Ok, vas-y. C'est bien le moteur. On peut glisser par là. Allez! Non! Non, non, non! Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont soudé la porte! Mais chier! Hé! Hey, on frappe! Réfléchis pas à ce que tu fais. Fais-le. Allez! T'y arrives? Non! Elle est soudée aussi. Il doit y avoir un autre moyen. Si t'as la moindre idée, je suis tout ouïe. Un levier! Quoi? Là, une gare de triage. Si on l'atteint, on pourra détourner le train et gagner du temps. Ok, bonne idée. Oh, merde! Fini pour toi. Une voiture. Salut. Oh merde, Nadine. Hey, Nadine. Allez, brigade. Et merde. Vous pouvez pas vous empêcher de mettre votre grain de sel. On n'a pas beaucoup de temps. Sur le train! Il faut s'occuper de l'aiguillage! C'est vraiment pas le moment! Hé, les bouffons! Vous pouvez nous lâcher la grappe de devant? Allez, 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 allez. Ça y est, super.
vraiment sûre. Elle sait se débrouiller. Sam. Ok, je voulais juste. Oh, merde! Mais comment je monte à bord? Je ne vois aucun pont, ni passage à niveau. Je n'ai pas aidé. Voilà. Dire que ça a marché. Oh merde, le pont. Merde! Merde! Oh! C'est bon. On a mis du temps. J'avais un train à prendre. Vous voyez ? Je me suis toujours considéré comme un homme très patient. Mais vous êtes une variété de vermine particulièrement tenace. Sympa. Je sens que je vais me faire plaisir. Vas-y, montre-moi un peu ce que tu sais faire. Merde! Vous allez risquer vos vies. Et pourquoi? Pour une ville de paysans? Mais quel parfait connard! Le sang des anciens rois coule dans mes veines. Mon peuple renaîtra de ses cendres. Tu me déçois énormément. Bon sang! Bien essayé! T'aurais jamais dû venir ici! On aurait pu faire tant de choses ensemble! Je préfère manger de ma propre jambe! Ces terres sont à moi! Qu'est-ce que vous espérez y gagner? On s'intéresse surtout à ce qu'on peut vous faire perdre. La bombe? Je rachèterai une autre. Je brûlerai ta ville, voleuse. Et ton peuple me sauvera. Nadine! Finissons-en. Je te tuerai. N'essaie pas de résister. Il faut savoir reconnaître sa défaite. Nadine! Tu as conscience maintenant? Faut que je descende! Tu as une conscience maintenant? Faut que je descende! Je monte! Je te connais. T'as pas l'étoffe d'une héroïne. Ma guerre déstabilise.
Le troupeau aura besoin de son berger. Et toi, tu... Je mourrai un millier de fois avant de vous laisser gagner. Oh merde! Petit rappel, le pont! Aucune importance! Finissons-en! Vas-y! Sale vermine! Je vais tout prix! Tout prix! Je purifiais cette terre par le feu! Il vous suffisait juste de mourir! C'est terminé! Vous pensez avoir gagné? D'autres reviendront! Comme le jeune roi, vos efforts seront vains! Vous l'avez dit vous-même. Le progrès exige des sacrifices. Fraser, il faut y aller. Putain, prétentieuse! Cours! Vous avez pu vous sortir de là. Alors là, j'essaie encore de comprendre. Et... Asav ? Il est dans le train. Ah, c'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Regardez-moi ça. Waouh. Ouais. Eh ben, on revient de loin. C'est clair. Alors ? Et maintenant ? Nadine Ross ? Tu reprends Shoreline ? Tu conquiers le marché des armes ? J'arrête avec Shoreline. Vraiment ? Vraiment. En fait, je me disais que je retenterais bien de partir à la chasse au trésor. Tu connaîtrais pas un con égoïste qui cherche une partenaire ? Pas toi. D'accord. Ah. Désolée, je bosse qu'avec des pros. Ouais. Où est la défense ? C'est pas... Oh, c'est pas vrai. Non, mais Sam... Je déconne, la voilà. T'as fait une tête. Ah, oh, bah d'accord. Merde. C'était ma dernière clope. Elle est vraiment superbe. Ouais. Combien on pourrait en tirer de cette beauté ? Eh ben... Je suis sûr que le ministère de la Culture nous donnera... une généreuse et belle prime. Pas vrai ? Ensemble. Le coude. Ah. Oh. Vous êtes trop marrante. Le ministère de la Culture. J'y crois pas, vous êtes sérieuse.
close doors to the system, yeah. When we say we're not with them, we solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system, yeah. When we say we're not with them, we solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Queen, what's up with that? Killing it, what's up with that? Slaying it, what's up with that? You go, what's up with that? Being bae, what's up with that? Making money, what's up with that? Breaking internet, what's up with that? Love wins, what's up with that? Living it, what's up with that? Being lit, what's up with that? Guns close, close to the system, yeah. When we say we're not with them, we solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Je sais. Un collectionneur privé. Hein? Réfléchissez juste une seconde. Je comprends que vous avez des principes, et c'est très bien. Vraiment. Et je suis complètement d'accord. Mais on pourrait peut-être... Gâche pas ce beau moment. Hum.